habitué à subir autant. Burrell pour personne, récupéré par Elliott. Elliott repris et mis au sol. C'est là qu'on voit que ça ne fonctionne pas. Il y a un 3 contre 2 à négocier avec des joueurs certes qui ont des courses de défense intéressantes côté Clermont et on fait la passe dans le vide. Et puis sur un pas pour Day qui vient de rentrer avec son casque rouge, ça ressort. Dickinson alors qu'un joueur anglais reste au sol. Myler chassé par Jamie Cunmore et le ballon qui va être recadré. Gagné par les Auvergnats avec 3 points à aller chercher probablement. Cutmore qui est venu découper Myler. Et qui reste au sol, c'est Dixon. Time off. Non, c'est pas Dixon. C'est pas Elliott. C'est pas la troisième ligne. C'est Wood. Tom Wood, non ? Il est en train de se qualifier pour la demi-finale. Ouh, Jamie Cunmore. C'est Jamie Cunmore qui est venu comme ça. Déblayer, ça c'est un coup à prendre une citation. Hein. Je ne sais pas s'il a jeté un coup d'œil sur l'écran géant. Attention, et Franck Azéma lui l'a vu. Oui, parce qu'il ne faut pas faire de faute. Ils sont dans le bon tempo, les Clermontois. Il faut qu'ils se maîtrisent, il faut qu'ils maîtrisent l'adversaire, qu'ils maîtrisent leur jeu. Pas de gestes intempestifs. Surtout pas jouer à 14 avec un carton jaune. Ne pas s'exposer, maîtriser. On a vu Alex King dans les gradins. Yes, I will. Alors, est-ce qu'il est prêt à repartir Wood? Allez, je pense que l'arbitre vidéo a parlé à Monsieur Lasset. Allez, Lessie, si vous voulez.